Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à multiplier des nombres relatifs et je vais donc vous expliquer comment est-ce qu'on fait tout ça. Alors, ici j'ai écrit le début de la table de 3. 3 fois 0 égale 0, 3 fois 1 égale 3, 3 fois 2 égale 6, 3 fois 3 égale 9. L'idée, ça va être de dire, 3 et 2 sont des nombres relatifs, ils sont tous les deux positifs, on sait les multiplier. La seule chose qu'on ne sait pas encore multiplier, c'est si on multiplie un nombre positif par un nombre négatif, et si on multiplie un nombre négatif par rapport à un nombre négatif. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, regardons cette table de multiplication. 3 fois 3, ça fait 9, et 3 fois 2, ça fait 6. Mais pour passer de 9 à 6, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a enlevé 3. Évidemment, on a multiplié 3 une fois de moins. Et ainsi de suite. Si vous regardez, on est passé 3 fois 2 à 3 fois 1, donc on a multiplié 3 une fois de moins, et on a encore enlevé 3. Et encore une fois, ici. Et bien voilà, on va voir apparaître quelque chose d'assez intéressant, puisque à chaque fois je perds 1 pour le nombre de droite, et bien ici je vais avoir 3 fois moins 1, qui va nous donner moins 3. Pourquoi moins 3? Et bien parce que 0 moins 3, ça fait bien moins 3. Et on peut continuer comme ça. 3 fois moins 2, qui va nous donner moins 6. 3 fois moins 3, qui va nous donner moins 9. Et bien voilà, quand on multiplie un nombre positif par un nombre négatif, ou inversement, puisqu'on sait que dans la multiplication, on peut changer l'ordre des facteurs, c'est-à-dire quand on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, et bien on va avoir toujours un résultat négatif. Et comment est-ce qu'on fait la multiplication? Et bien une fois qu'on connaît le signe du résultat, et bien il suffit juste de faire la multiplication telle qu'on la connaît depuis toujours, avec que des nombres positifs. 3 fois moins 2, je fais 3 fois 2, 6, mais comme c'était moins 2, ça fait moins 6. Et comment est-ce qu'on fait maintenant pour les nombres négatifs multipliés par des nombres négatifs? Eh bien, reprenons, on a 3 fois moins 2 par exemple. Eh bien, 3 fois moins 2, on a dit que ça faisait moins 6. Très bien. Si je fais maintenant 2 fois moins 2, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Si je fais 1 fois moins 2, 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Eh bien, on s'aperçoit à chaque fois qu'on rajoute 2. Moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Puisque moins 2, je l'ai multiplié une fois de moins. Je rajoute 2 pour passer de moins 2, de moins 4, pardon, à moins 2. Et donc ici, je vais avoir 0 fois moins 2 qui va nous donner 0. Donc encore une fois, on va avoir plus 2. Et ici, on va donc arriver à moins 1 fois moins 2. Et moins 1 fois moins 2, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne 0 plus 2, ce qui va nous donner 2. Moins 2 fois moins 2, ça va nous donner 4, et ainsi de suite. On s'aperçoit que la multiplication de deux nombres négatifs donnera un nombre positif. Et oui, voilà comment ça fonctionne. Un nombre négatif fois un nombre positif, c'est négatif. Et deux nombres de même signe, qu'ils soient tous les deux positifs ou tous les deux négatifs, donnera toujours un résultat positif. Eh bien, une fois qu'on a compris ça, on va savoir multiplier facilement. Il y a une chose quand même qui est assez intéressante. C'est de constater qu'il y a deux nombres négatifs dans la multiplication qui nous donnent un nombre positif. Eh bien, je peux envisager de faire, par exemple, ce genre de calcul. 2 fois moins 3 fois moins 1 fois 5 fois moins 1. Eh bien, ce genre de calcul, il va être de quel signe le résultat? Eh bien, c'est très simple. On sait que quand les multiplications, quand il y a deux nombres négatifs, ça donne un nombre positif. Eh bien, ça va donner un nombre positif. Fois 2 fois 5, ça va être positif, et le dernier fois moins 1, ça va donner un nombre négatif. Et donc j'ai le résultat, j'ai déjà le signe, et j'ai juste à faire la grande multiplication de nombres positifs. Et bien on va avoir une règle plus générale qui va consister à dire que dans une multiplication, s'il y a un nombre pair, un multiple de 2, de nombres négatifs, le résultat sera positif. Par contre, s'il y a un nombre impair, comme ici, il y a 3 signes moins, eh bien le résultat sera toujours négatif et on a juste à faire la multiplication comme si il n'y avait pas de signe.